Après avoir participé activement au premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu du 23 au 24 octobre à Sotchi en Russie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce vendredi 25 octobre à Belgrade, capitale de la Serbie. Aussitôt arrivé, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a été reçu avec des honneurs au palais présidentiel de Serbie où il a rencontré son homologue serbe Aleksandar Vučić. Les chefs d'État de la Serbie et de la RDC ont échangé en tête-à-tête pendant plus d'une heure avant de poursuivre l'heure pour parler autour d'un déjeuner de travail avec leurs collaborateurs respectifs, toujours dans l'enceinte de la Novi Beograd, le siège de la présidence de la République serbe. Dans son mot de bienvenue, le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré toute son admiration pour les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi dans sa diplomatie d'ouverture visant les réchauffements de sa coopération multiforme. Vučić a en outre réaffirmé la détermination de son pays à renforcer ses relations bilatérales avec la RDC, mais aussi de raffermir ses liens historiques et d'amitié avec le pays de Félix Tshisekedi en déclarant que les deux États faisaient partie des non-alliés à l'époque de l'ex-Yougoslavie et a émis les vœux de vouloir ouvrir une nouvelle page de l'histoire avec la RDC. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a manifesté le désir de son pays à vouloir s'inspirer du modèle serbe dans la relance économique. Signalons par ailleurs que pour saluer cette première visite officielle du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi en Serbie, le gouvernement serbe a orné toutes les grandes artères de Belgrade des drapeaux de la RDC.